La fin du semestre approche à grands pas. Du coup, on voulait se faire un petit week-end à la plage entre copains sur la côte Est. Mais petit problème, on s'attendait pas à autant de galères. La roue est bloquée. Notre voiture électrique n'a pas chargé là pendant les 2h30, mais on l'a laissé charger. Ici ce soir. J'ai eu l'idée de dormir dans une voiture. Jusqu'à 1h45 un dimanche. Il est 3h30 du matin. I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. You're more than a sunshine. Qui a eu l'idée de se réveiller à 6h45 un dimanche? Voilà, c'est parti, on a récupéré la bolide. From Jamaica to the world. Alors nous on est là, là il y a la team de Neoma et les SQR là-bas. Eux ils sont perdus, ils sont dans la forêt. Je crois qu'ils vont à un lac, ils ont pas compris qu'on allait à la mer. Et c'est rendez-vous ici. Poppy, qui arrive en premier? Nous. C'est nous. Bien sûr que qui arrive en premier? C'est nous. C'est la win. C'est le winner nous. La mer. C'est un mensonge, nous ne sommes pas encore arrivés. Mais qu'est-ce qu'on change? Avoir une voiture électrique, du coup, ouais, mais non, on est en train de galérer. Non, alors retenez bien cette phrase de Joey qui dit « Mais non, on galère pas, juste vous verrez. » Le parrain et ses bébés. C'est ça. On va à la plage. À la plage. Exactement. On arrive à la plage. Putain, la maison avec les fontaines. Ah. Là, je fais craquer. On fait une cagnotte litchi. Mais là, il a fait le banquier, il a déjà pété son stick. Hello! C'est ça! Coucou! Ils se battent pour lui. Avec Robin, on a eu un coup de foudre immédiat quand on s'est rencontrés. Franchement, elle est sexymisée dans notre relation. Oh, c'est trop mignon! T'es pas obligé de nous montrer autant tes pêches, Joe, sur la vidéo. On va bouffer! Yam! J'ai hâte! Allez, allez, allez. Putain, Maurice et moi!
Pour le repas du midi, on a pris la spécialité du restaurant, le Killer Dog. Autant vous dire que c'était assez compliqué de finir. On vient de commander notre nourriture. Il y a les gens normaux, comme Alice et moi-même, qui prenons des burgers. Et puis il y a les gens comme Pauline, qui prennent des plats plus gros que leur tête. Tu te sens comment? Là, je pense que je vais pas tomber, c'est pas possible. Bon app, les gars. Voilà. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, disons. C'est quand même compliqué de terminer. Hein. On est en train de lutter pour finir notre plat. Eh, j'ai trouvé nos deux champions. Non, ils ont fini. JB et Artem, ils vont bientôt finir. Il va rester. Ah, c'est vrai. Salut à tous les amis. Pauline m'envoie en mission pour filmer les deux zigotos là, apparemment. Oh, vous êtes des malades mentaux. Hein. Artemi. Oh là. Allez, Artemi, fini, putain. Oh, putain, y'a plus de mémoire dans la caméra, gros. J'attends un rôle qui sort. Ok, c'est bon, ça part. Bienvenue. Comment vous avez fait pour finir? Oh non. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Ça fait quoi de pas du tout réussir à manger? Poppy a mangé plus que toi, Lilian. Mais écoute, je pense qu'on a pas le même estomac et que moi je fais attention à ma ligne en fait. Et maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour le début des galères? On a un petit souci, notre voiture électrique n'a pas chargé là pendant les 2h30, mais on l'a laissé charger. Donc voilà, faut qu'on trouve une solution. Ça c'est drame. Mais t'es pas dans cette voiture. Moi j'en ai un fou. Elle rentre. Bon les amis, on a trouvé un nouveau point pour charger la voiture. Mais du coup cette fois on peut pas s'en aller 2h et se rendre compte que la voiture n'est pas en train de charger. Donc on attend 20 minutes, on se fait une petite promenade autour du lac. Et regardez ce panneau. Of alligators. Incroyable. Welcome to America. Très rassurant. On est actuellement excédé, donc impossible de bouger la voiture. Le problème est celui-là, donc ça passe dans du sable et en fait la roue est bloquée au bord de la route. Et donc ça va, vous l'avez vu? Ça va. Estimated kilometers added, 35 km par heure. Donc ça veut dire que là, si on la laisse charger, on va dire 4 heures. 4 fois 35. Ça suffira pas. On peut pas rentrer. Les gars, on dort ici ce soir. C'est la merde là. T'es fier, Joe? C'est pas ma faute, moi j'allais tourner, on m'a dit ouais, non, c'est grave. Mais remets en son, quoi. Bon, alors, go, trouvez du bois. Allez, fais genre. Fais comme si tu faisais un effort intense. Par contre, je vais te expliquer à quoi tu sers. Bah, je tiens les jambes. Ça sert à rien. Ok, là c'est branché. Ça me dit plus de remaining time là. Ah, c'est bon, 10h10. Non, ça dit not charging. Quoi, not charging? Quoi? Quoi? Moi, ça me dit que ça charge sur la voiture. Ça dit not charging. Oh non. Y'a pas des clous dedans? Oui. Bonjour monsieur le taxi. On est resté bloqué. Comment vous avez fait? Raconte. J'ai allé tourner à droite, il fait non, c'est pas celle-là, c'est celle d'après. Celle d'après c'était un cul-de-sac avec du sable. Je suis allé dedans, Toti, bref, c'est un coup à s'embourber. J'accélère, il bouge plus. Attends, c'est bizarre là, je crois. Et il est dedans, il fait ah là on est dedans. Ah là on est dedans, y a pas de doute. Et quand on a enfin trouvé une solution à tous nos problèmes, l'après-midi pouvait reprendre. Alors il y a quelqu'un qui n'assume pas du tout son killer dog là. Ouais mais moi je l'ai fini. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit to the past though. A bloody mammy's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is. Activité de massage. Il est important de se détendre. Surtout après toutes les aventures qu'on a vécues. Oui, si tu veux, je t'en prie un peu. Ah, je suis trop chaud. Retour en enfance. On va faire un petit bal au prisonnier. Et comme d'habitude dans ce genre de jeu, t'as l'impression qu'il y a des mecs qui jouent leur vie. Ouais. Ouais.
Et finalement, on a continué à jouer jusqu'au coucher du soleil. I know that you've had enough, but I can't help to see it's good. I love to hold you. And I don't care, I don't care, as long as I can hold. Qu'est-ce qu'on retient de cette partie de paintball? J'ai toujours pas compris les règles. En vrai, on est les vrais gagnants. On était les... le corps le plus vaillant. On est les perdants. Par contre, c'est le score. Il y a 3-2 pour eux. On a perdu. Non, je pense que le problème, c'était pas vraiment les tirs. C'est que les règles ne sont pas très bien expliquées déjà de base. Et qu'ensuite, les tireurs ne tirent pas bien en fait. Je suis super vénère là. Il y a tous les copains qui partent parce que eux ils ont eu la bonne idée de prendre une voiture à essence et nous on peut toujours pas partir parce qu'on a toujours pas assez de miles pour rentrer à Raleigh. Donc on est obligé de rester là, trop triste. Bisous mes anges, vous allez me manquer d'ici demain. Bisous. Vous allez nous manquer. Là j'ai l'impression que ça fait 3 semaines qu'on est parti. Ouais vraiment. C'est déprimant. Bisous, bisous, bisous. J'ai le cœur en miettes. Et croyez-moi, mon équipe, on n'était pas au bout de nos peines. Allez, 4 à l'arrière maintenant. On a eu le permis et c'est totalement légal ce qu'on est en train de faire. Bon, ça y est, tout le monde est parti. Il nous manque encore 20 miles pour qu'on puisse faire le chemin du retour. Donc on va laisser charger encore minimum une demi-heure. Et on va acheter de la bouffe. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'amuse. We are never going home. Nouvelle péripétie pour la team. On voulait s'acheter des provisions pour la route et c'est fermé. Le nouveau coup dur, ça ne s'arrête plus. Bon bah tant pis hein. Alors on s'est dit, on a tellement pas eu de chance aujourd'hui que peut-être ça va continuer, on va voir des alligators. Du coup on s'approche du lac. Voilà, on est plus à ça près hein. Autant crever hein ce soir. Alors où sont les alligators? Ah, je suis pas sûre que ça tient. 3 hours later. Petit point sur la situation. On est à littéralement 30 minutes de Raleigh. Donc on était à deux doigts d'arriver, sauf qu'on a plus de batterie. Donc on a trouvé in extremis un petit point de batterie. Donc on va devoir attendre une heure et demie dans la voiture. On va faire un petit somme. Et après on va reprendre la route et on va arriver vers 3h du mat quoi. Moralité, c'est bien de vouloir sauver la planète, mais pour les longs trajets, ne prenez pas des électriques les gars. Et après une petite sieste, il était enfin temps de mettre un terme au calvaire. C'est la maison, bordel, ça y est. We did it. Il est 3h30 du matin. Les autres sont arrivés à 23h30. J'en peux plus. Mais ça y est, on va pouvoir dormir. Bon les gars, comme vous vous doutez, j'ai pas fait de conclusion à 3h30 quand je suis arrivée chez moi. Donc voilà, je le fais maintenant. J'espère que vous avez kiffé ce petit vlog. Nous, ça nous fait des super bons souvenirs de cette journée. C'est vraiment le genre de vidéo que je regarderai d'ici quelques années pour me remémorer tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bisous !